Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre dont on entend beaucoup parler sur la toile en ce moment. Il s'agit du Syndrome du Spaghetti de Marie Vareille et c'est aux éditions PKJ. Pour le coup, je sais que l'autrice est très connue, mais moi, c'est la première fois de ma vie que je lis du Marie Vareille. L'histoire, c'est celle de Léa. Elle a 16 ans et elle est vraiment très douée en basket. Elle ne rêve que d'une chose, c'est être professionnelle et intégrer la WNBA. Entraînée par son père, elle avance dans un chemin qui semble absolument tout tracé. Ils appellent d'ailleurs ça la map. Ou le map, la map, le map, je ne sais plus. Léa, elle est insouciante et elle ne s'attend absolument pas à ce que sa vie s'écroule. Elle va faire la rencontre d'Anthony, 17 ans, qui semble totalement avoir abandonné ses rêves de devenir un grand basketteur pour tenter d'avoir la meilleure vie possible. Leur rencontre va créer de vrais bouleversements et chacun va apprendre de l'autre pour mieux avancer. C'est une lecture que j'attendais avec impatience parce que j'en entendais tellement de choses positives, que c'était un livre incroyable, que tout le monde pleurait, qu'il était fou, qu'il remuait nos sentiments. Fallait pas que je passe à côté. J'avoue que j'ai vraiment apprécié cette lecture doudou, avec une écriture vraiment très douce et envoûtante et émouvante. Je ne connaissais pas Marie Vareille, comme je vous l'ai dit au début, et du coup ça a été une belle surprise. Alors vous allez me dire, Laura, pourquoi pas un coup de cœur si tu as tant aimé que ça? Parce qu'il manquait le petit qui fait que c'est vraiment un coup de cœur. En fait, je ne saurais pas l'expliquer, je pense. Il y a plusieurs facteurs qui ont fait que pour moi, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je sais que ça a été un coup de cœur pour énormément de monde. Attention, je dis que ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est pas pour autant que j'ai pas aimé ma lecture. Je l'ai vraiment bien aimé, mais ça n'a pas été la magie que j'ai pour certains livres. Je pense que l'un des facteurs qui fait que bah, moi c'est pas un coup de cœur, c'est le fait que je lis énormément de livres sensibles, voilà, avec des sujets compliqués, et que là, le fait que ce soit une adolescente qui ne puisse plus réaliser le rêve de sa vie, je me suis dit, bon bah voilà, elle va se relever. Je peux pas en dire autant de, par exemple, All This Time ou Five Feet Apart que je vous ai présenté. On sait qu'il y a une issue pour Léa, on n'a pas qu'un rêve dans une vie, voilà. On sait d'avance qu'il y aura une reconstruction, qu'il y aura une évolution positive. Donc c'est vrai que du coup, moi, niveau émotion, j'ai pas pleuré énormément. Hein. C'est vrai que sur ce genre de sujet, je suis pas très sensible. Après, un des autres facteurs, c'est aussi le fait que moi, le basket et le sport, c'est pas des trucs qui m'intéressent énormément. Voilà, je comprends que certains, c'est leur passion, pas moi. Donc c'est vrai que niveau relationnel, j'étais un peu éloignée de Léa. Mais peut-être que j'aurais vu la chose différemment si ça avait été une passion qui m'avait touchée. Mais là, c'est pas le cas. Par contre, ça n'enlève rien à la qualité évidente du livre. C'est un très bon livre. C'est une très jolie histoire. J'ai eu quelquefois des pincements au cœur, c'est vrai. C'est vraiment une histoire très belle, de très bonne qualité, très émouvante. Les messages y sont touchants. Les thèmes abordés sont géniaux et en plus les émotions sont parfaites. Il y a une sorte de justesse en fait dans l'écriture de Marie Vareille dans ce roman. J'ai apprécié Léa, mais c'était pas mon personnage favori. Bien sûr, elle a des bons côtés, mais elle avait un égoïsme qui était tellement présent que t'avais envie de lui mettre une petite claque là. En fait, Léa, je la vois un peu comme le derrière du monde, c'est-à-dire que c'est elle et les autres... C'est elle, c'est ses galères, et les autres autour, de toute façon, ils pourront jamais comprendre. C'est une mentalité qui me plaît pas trop. Heureusement qu'elle évolue. Néanmoins, on partage un peu sa peine, parce que se dire que voilà, le rêve de sa vie est détruit, que son univers entier s'écroule, en plus c'est un personnage qui est assez sensible, Léa, donc c'est touchant. Mais le fait qu'elle n'en fasse qu'à sa tête, quel énorme défaut. Elle peut être drôle, elle peut être touchante, et c'est vrai que c'est bien de voir un personnage qui est capable de rebondir comme ça. Léa, elle est capable de rebondir sur des situations, même si voilà, on sent que les différents paliers, voilà, c'est difficile. Anthony, ça a vraiment été mon personnage préféré, parce qu'il est en fait, j'ai l'impression qu'il est l'opposé de Léa en fait. La rencontre de Léa et Anthony, c'est vraiment deux mondes totalement opposés qui se rencontrent. C'est un garçon intelligent, qui veut devenir un homme bien, qui veut se battre pour rendre fière sa mère, tout le contraire de son frère d'ailleurs. Il est prévenant, il est gentil, il est intelligent, il est généreux, vraiment une crème. Après, contrairement à Léa qui se bat pour espérer réaliser ses rêves, Anthony il a totalement laissé ses rêves de côté. C'est un garçon qui est très pied à terre et qui voilà,
pour lui, les rêves restent des rêves. J'ai aimé la relation entre les deux, ce qui a fait que ça a fonctionné, ce mélange des mondes en fait. Chacun poussant l'autre vers différentes alternatives de rêves. J'ai vraiment adoré les amis de Léa qui lui permettent de garder les pieds sur terre. Mais c'est vraiment sa relation familiale qui évolue qui m'a intéressée. On a l'impression qu'en fait, avec le drame qui est arrivé à Léa, elle découvre les gens de sa famille. Comme si elle vivait dans un univers parallèle avant et que là, pouf, elle vient d'être aspirée par la réalité et elle rencontre les membres de sa famille et elle les découvre en fait. Outre le fait que ce livre parle de basket, il aborde aussi certains sujets un peu plus délicats. Mais le truc, c'est que je ne peux pas vous en parler et c'est peut-être le plus intéressant du livre. Mais si je vous le raconte, vous serez spoilé, alors je ne peux pas vous le raconter. Mais voilà, Léa traverse des situations très sombres et très compliquées. On a énormément d'empathie pour elle et les sujets qui sont abordés dans ce livre sont vraiment abordés d'une manière juste et très émouvante. J'ai dit beaucoup trop de fois le mot émouvant dans cette vidéo. Je vous incite vraiment à découvrir le livre par vous-même. C'était une très belle histoire, une très bonne lecture doudou et je pense que ça peut plaire à pas mal d'entre vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !